que les façades plutôt. C'est le programme. Et à vous aussi, ici. Mais est-ce que les gens vont à l'intérieur, qu'ils ne peuvent pas sortir de la banque? Non. Joey, pas Joey aussi, là. Ils sortent des bazars de là-bas. Ouais, c'est là-bas qu'ils sortent ici. Les maisons au coin, à droite. Marie-Pierre Fonceny. Réveil douloureux pour les habitants de Theux ce dimanche matin. Après la terrible explosion de gaz qui a endommagé une centaine d'habitations du centre du village, de nombreux habitants n'avaient pu passer la nuit chez eux. Mais la solidarité s'est directement manifestée. Plus de 200 personnes se sont proposées pour héberger, pour s'occuper des personnes, pour les loger et les nourrir, et qu'en fait, on n'a dû héberger que 5 personnes parmi toutes celles de la place. Donc les gens étaient accueillis dans les familles, etc., chez des amis? Chez des amis, dans les familles, comme c'est le cas d'ailleurs pour mon beau-frère qui est venu chez nous à Spa. Heureusement que mes parents habitent tout près, ils ont pu nous loger, parce que je ne sais pas où on aurait été, quoi. Il y a vraiment une solidarité qui s'est nouée ici à Theux? Oui, oui, très bien, parce que bon, il y avait des infirmiers qui sont venus, ils ont regardé, ils nous ont demandé si on avait rien. On est venu nous apporter du café, des tartines, c'était vraiment très bien fait. Les dégâts matériels s'avèrent aujourd'hui très importants, d'autant qu'une centaine de maisons sont touchées. Les nombreux commerçants de la place sont venus constater l'ampleur du sinistre. Ce sont les montres. Toutes les montres sont foutues, quoi. C'est ça, une grippe dans un verre, c'est invendable. Enfin, c'est pas trop grave, c'est notre matériel. Quand on pense aux victimes, c'est beaucoup plus grave. C'est ma fille qui a 3 mois qui vient de s'installer. Alors je vous garantis, ça fait mal. Les experts et assureurs sont déjà au travail pour établir une première évaluation des dégâts et autoriser les travaux les plus urgents. Nous sommes maintenant en train de découvrir, on prend point par point, les clients CGR ainsi que l'agence au niveau des montants, des réserves à fixer et des réparations éventuelles de première nécessité afin de protéger le patrimoine. Qui va payer? Disons, au départ, nous avons demandé aux assurances respectives des clients d'intervenir, quitte à avoir le problème de responsabilité dans la suite. Monsieur, chez vous, les dégâts sont-ils très importants? Oh, très importants. Très. Dans cette boutique de vêtements, située à une cinquantaine de mètres de l'explosion, tout a été soufflé, les châssis, les portes ont été arrachées. C'est une maison qui datait de la fin du XVIIe siècle, comme beaucoup d'autres de la place. Les propriétaires l'avaient entièrement restaurée. Mais disons ici, on voit très très bien comment toute la toiture a été soulevée. Il y a des écarts de 3 à 5 cm dans la pièce à côté, encore beaucoup plus grave que ça, oui. Toute la toiture a été soulevée, les tuiles sont soufflées. On verra bien ce qu'on doit faire avec cette maison aussi. Actuellement, les pelleteuses déblaient les gravats. L'objectif est de pouvoir examiner rapidement les conduites de gaz. Actuellement, nous savons qu'une fuite de gaz s'est produite dans la rue Thierron. Et cette fuite s'étant engouffrée dans les caves de la BB1, nos collègues de Theux sont arrivés à percevoir une concentration importante au soupirail sur la place. Mais nous devons déterminer avec précision l'emplacement de la fissure et le cheminement du gaz dans la cave. Cet après-midi, on devrait mettre à jour les conduites défectueuses responsables de la terrible explosion. Et nous allons maintenant rejoindre en direct Marc Mélon qui se trouve dans le centre de Theux. Alors Marc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'atmosphère qui règne actuellement autour de vous? Écoutez Paul, évidemment c'est un spectacle de désolation. La population, les habitants sont consternés par ce qui s'est passé hier en début d'après-midi. Les pompiers de Liège, de Spa et de Pepinster sont toujours au travail, ils sont en train de déblayer. Il a fait très froid la nuit dernière, environ moins 10 degrés. Les pompiers ont continué à arroser le bâtiment qui a explosé et les gendarmes ont surveillé les habitations pour éviter les vols. Reportage sur les hommes de la nuit ici à Theux, réalisé la nuit dernière donc par Olivier Allan et Joanne Montet. À la tombée de la nuit, à la gendarmerie de Theux.
Les habitants de la zone sinistrée défilent pour obtenir ce document. Une attestation de domiciliation, indispensable désormais pour franchir le périmètre de sécurité. Afin d'empêcher les pillages, des gendarmes venus en renfort de Bruxelles restent de faction toute la nuit. Nous assurons uniquement la surveillance du site. Et bon, on va un peu partout, on va dans les remises, etc., voir un petit peu ce qui se passe, si tout est obturé, si la pensée va pénétrer dans les bâtiments. Ah oui, ils s'endorment sur une maison, c'est franchement facile de rentrer. On va aller voir. Dans la précipitation, de nombreuses maisons sont restées ouvertes. N'importe quel individu mal intentionné pourra donc profiter de la situation. Il y a d'ailleurs eu quelques pillages hier après-midi. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont restés, mais on ne sait pas où. Il y en a qui dorment, il y en a qui ne dorment pas. Le quartier de la place du Perron est passé au peigne fin, tout est surveillé. Les maisons particulières et les abords des banques, parfois gardés par un vigile. Chargé par la banque, par le groupe 4 Securitas de surveiller l'établissement. Jusqu'à quelle heure vous allez rester là? En principe, jusqu'à 8h du matin. Toute la nuit devant la porte? Pas devant la porte nécessairement, aussi à l'intérieur. Les autres hommes de la nuit, ce sont les pompiers. Ils arrosent encore les débris fumants de la BBL, toujours choqués par le décès de leurs collègues. Oui, madame, ça, quant au père des collègues, c'est toujours... C'était des amis. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Ça sera en place, tout ça. Mais les hommes, on ne sait plus les remplacer. Hein. Nous avons un invité ce midi, le bourgmestre de Theux, M. Maurice Corne. Monsieur le bourgmestre, merci d'être avec nous. Vos pensées vont maintenant aux deux pompiers qui ont perdu la vie. Oui, bien sûr. Ce matin, avec mon premier échevin et le commandant des pompiers, nous avons rendu visite aux familles des défunts. C'est inutile de vous dire combien ils sont touchés, affectés. Non seulement les épouses, mais les enfants, qui comprennent encore moins que les adultes qu'un père puisse disparaître aussi rapidement, hein, car tout s'est joué à une fraction de seconde, en quelque sorte. Hein. J'ai visité aussi les blessés. Ils sont toujours à l'hôpital de Verviers. Et à l'endroit où nous nous trouvons, nous nous trouvons à peu près à 15 mètres de l'endroit où on a retrouvé les deux défunts. Eh bien, le pompier que j'ai visité ce matin, lui, se trouvait à cet endroit même. Et à part quelques vitres, éclats de vitres dans la figure, il n'a pour ainsi dire rien. Donc je dirais que ça s'est joué à 15 mètres, comme ça s'est joué à une seconde, une fraction de seconde. Monsieur le bourgmestre, les collègues des pompiers qui ont été tués sont traumatisés aujourd'hui? Ils sont traumatisés parce que les pompiers blessés que je suis allé voir, non seulement ont subi bien sûr le choc de l'événement, mais aussi le choc tout psychologique et tout humain de mettre à jour les cadavres de leurs collègues. Monsieur le bourgmestre, on en sait un peu plus sur l'origine de la catastrophe? On croit savoir que la conduite d'adduction de gaz qui traverse notre localité et qui dessert Spa, c'est de là que serait partie la fuite. La personne qui a donné l'alarme passait sur le trottoir qui longeait la BBL, a entendu un sifflement, a gratté la neige avec son soulier et a avoir vu une fissure par où sortait le gaz. Alors nous supposons à l'heure actuelle que ce gaz a pénétré aussi dans les locaux de la BBL, cave ou à rez-de-chaussée, et qu'à un moment donné, cette masse de gaz a touché une étincelle quelque part et que ça fait l'explosion. Actuellement, tout danger est écarté? Oui, je crois pouvoir dire que tout danger est écarté. Nous avons d'ailleurs pris toutes les précautions cette nuit. Une équipe de l'association liégeoise du gaz est restée sur place, a fait des rondes toute la demi-heure, prenant aux avaloirs des échantillons, faisant marcher leurs appareils pour voir s'il n'y avait plus échappement de gaz et il n'y avait plus d'anomalies durant la nuit. Et ils sont d'ailleurs encore sur place parce que nous avons alors demandé qu'ils scellent tous les compteurs et que les personnes, quand elles rentreraient chez elles, si elles voulaient ouvrir leurs compteurs, soient obligées de faire appel aux distributeurs pour que tout se passe dans les règles de l'art. Alors les funérailles des pompiers auront lieu mardi, on attend déjà pas mal de monde. Oui, les funérailles auront lieu mardi, on attend pas mal de monde. Parce que des témoignages de sympathie et de solidarité arrivent de tous les corps de pompiers environnants, et quand je dis environnants, ça va très loin.
Voilà Paul, ce que l'on peut dire ici en direct de Tours. On se retrouve à 19h30 avec d'autres reportages. Merci Marc, et je vous signale encore que le numéro de téléphone du centre de crise est actuellement totalement saturé. Si vous avez des proches dans le village de Teux et que vous souhaitez obtenir des renseignements, il faut dorénavant appeler le 087 22 31 15. C'est en fait le numéro de la gendarmerie de Verviers, le 087 22 31 15. Ébranler les habitants, le bourgmestre n'a pas pu cacher son émotion. Il s'est effondré en larmes pendant une brève conférence de presse, épuisé par une nuit blanche, passé auprès des uns et des autres, apparaît au plus pressé. À Teux ce matin, les équipes étaient déjà à l'œuvre pour déblayer les débris, renforcer des murs qui menacent de s'écrouler. Les assureurs, eux aussi, sont déjà sur place pour évaluer les dégâts. Le reportage de Grégory Willock. Évacuer les gravats, remplacer les vitres, ce dimanche a commencé tôt pour les habitants de Teux. Dans les rues aussi, des voisins qui viennent se rendre compte des dégâts. C'est un vrai bombardement, comme un bombardement. Je ne pensais jamais que ce serait d'une ampleur aussi vaste. Hein. C'est triste. Je ne pensais jamais voir ça. Jamais. Ici. C'est désolant. Depuis 10 heures, les dépanneurs évacuent les carcasses de voitures. Les pompiers, eux, se concentrent sur l'immeuble de la BBL. Ils tentent de localiser l'endroit précis de l'explosion. Au total, 15 pompiers sont sur le terrain, venus de Spa, de Pépinster ou de Liège. Ceux de Teux sont restés à l'écart, encore choqués par la perte de deux des leurs. Dans les rues depuis ce matin, ceux dont les maisons ont été épargnées, ils sillonnent le centre de la ville pour apporter nourriture et boissons chaudes aux gens qui travaillent. On essaye d'aider les gens pour pouvoir leur apporter un peu de réconfort et de pouvoir leur donner un peu, parce qu'il y a énormément de bénévoles et de gens qui travaillent. Présents aussi les assureurs, ils vont de porte en porte pour informer leurs clients et expliquer les démarches à suivre. Au premier stade, ce seront les compagnies d'assurance propres de chaque propriétaire ou locataire qui devront estimer les dommages et les indemniser, quitte à exercer éventuellement un recours contre un responsable s'il y en a un. Dans le froid et dans la boue, les habitants de Teux se serrent les coudes. Cette nuit, tout le monde a pu trouver un endroit où loger. Tout à l'heure, deux restaurants de la ville ont proposé de nourrir et d'accueillir l'ensemble des sinistrés. Voilà, on me signale que la liaison est malheureusement rompue avec Teux. Nous ne pouvons pas capter nos autres reportages. J'espère pouvoir vous les proposer. C'est qui s'est réveillé ce matin pendant une brève conférence de presse après avoir passé la nuit sur tous les fronts. Et nouvelle émotion pour les habitants à 15h, où un périmètre de sécurité a été rétabli aujourd'hui après une évacuation. Des odeurs de gaz avaient à nouveau été détectées dues aux travaux de déblaiement cette fois. Pour revenir au bilan, les dégâts matériels sont considérables. Des équipes étaient à l'œuvre dès ce matin pour déblayer les décombres et renforcer des façades. Les assureurs aussi sont sur place pour des premières évaluations. Grégory Willock. Des façades éventrées, des toitures déplacées. Toute cette journée, les habitants de Teux l'ont passé à constater l'ampleur des dégâts. Depuis ce matin, on évacue les gravats, on remplace les vitres. La journée a commencé tôt. Dès les premières heures, les bénévoles sont arrivés pour distribuer nourriture et boissons chaudes. En fait, on essaye d'aider les gens pour... Beaucoup d'habitations étaient encore privées de téléphone. Des habitants sous le choc, encore aujourd'hui, et qui ont du mal à réaliser. Certains viennent voir, simplement. D'autres tentent de récupérer quelques objets personnels. C'est un vrai bombardement, comme un bombardement. Je ne pensais jamais que ce serait d'une ampleur aussi vaste. Hein. C'est triste. Je ne pensais jamais voir ça. Jamais. Ici. C'est désolant. Suite au XVIIIe siècle, son propriétaire ne sait pas si elle pourrait être sauvée. La façade en elle-même, là, on ne sait pas au niveau de la stabilité ce qu'on va pouvoir faire, mais le mur qui se trouve juste derrière, lui, il faut nécessairement le virer. Est-ce que vous avez pu rentrer, récupérer des objets personnels ? Oui, mon agenda. C'est tout ce que vous avez pu récupérer ? Jusqu'à présent, oui. Alors, quand ça se calmera un petit peu, on essaiera de récupérer d'autres choses. Puis, les choses utiles, couper l'eau, le gaz, pour éviter une deuxième explosion. Voilà. À 15h, alors que les pompiers tentaient de dégager un amas de briques, nouvelle alerte, une forte odeur de gaz. Aussitôt, un périmètre de sécurité a été rétabli. Après 10 minutes, le gaz provenait en fait d'une poche isolée sous les décombres. À l'heure actuelle, tout nouveau risque est écarté, mais la catastrophe aura coûté la vie à deux soldats du feu et aura blessé près d'une trentaine de personnes. C'est d'une fille, il avait 14 ans de service.
Roland Bastin, 39 ans et demi, papa d'une fille de 10 ans et d'un petit garçon de 9 mois. Il travaillait depuis 16 ans comme pompier volontaire. À la caserne de Teux, tout le monde est sous le choc. Des gens d'une efficacité incroyable. Ils avaient chacun leur qualité, l'un les papiers et l'autre l'ordinateur. Et tous les deux d'une gentillesse qui nous manque déjà. Donc. Les 34 pompiers de Teux, tous volontaires, ne sont pas sur le terrain aujourd'hui. Ils étaient trop marqués par la disparition de leurs collègues. Nous sommes rentrés pratiquement ensemble, et alors c'était des copains. Quel souvenir vous en gardez ? Une camaraderie au sein du groupe, serviable et toujours prêt à rendre service. Un hommage leur sera rendu par tous les pompiers de la région, hommage auquel se joindra la ville de Teux. Mardi, l'école et tous les commerces seront fermés. Mais l'explosion est une, deux, trois secondes trop tôt. Ils avaient fini leur mission, ils ont sauvé, moi j'ai dit une vingtaine de vies, et ils ont encore voulu en faire un petit peu plus, et c'était le petit peu plus qui a foiré. Ils ont voulu faire trop bien leur travail. Ils ont voulu faire bien leur travail, pas trop bien, bien, comme ils l'ont toujours fait. Du lieu de l'explosion, tout a été soufflé, dévasté. Au rez-de-chaussée, il y avait leur magasin de prêt-à-porter et aux étages, leur habitation. C'est une catastrophe, il n'y a plus rien d'entier, absolument plus rien. Chiffrer ça, je ne sais pas, je ne saurais pas encore le faire actuellement, je n'en vois pas la possibilité. Le magasin était heureusement fermé à l'heure de midi. La famille de Rohan se trouvait dans la cuisine, au premier étage. Elle était en train de manger. Le temps de revenir à temps pour terminer mon repas, les tartines sont toujours là. Et c'était fait. Je me suis retrouvé par terre. J'ai entendu le bébé qui criait. J'ai cherché après lui. Je l'ai pris dans mes bras. Son père l'a immédiatement repris. Et puis on s'est précipité hors de la maison. Très vite, la ville a distribué du matériel, de quoi parer au plus pressé et calfeutrer la maison pour éviter tout pillage. Il y a une distribution de plastique pour mettre aux fenêtres et une distribution de panneaux en fonction du nombre de fenêtres. Et ça, vous avez dû les mettre vous-même. Et alors ce matin, tous mes amis et collègues, etc., ils étaient sur pied, à pied d'œuvre avec leurs machines et tout. Que couvre l'assurance? Quelle démarche effectuer? À qui s'adresser? Bien des questions se posent. Les semaines et les mois qui viennent s'annoncent difficiles. Quand on est dans des situations pareilles, on n'est pas un petit peu démunis? On sait. Complètement. Moi, je crois que je vais faire l'inventaire de tous mes biens abîmés. Les chiffrer, je ne sais pas comment je vais faire. Vous avez pu remarquer quand même que bon, c'était quand même pas trop mal. Mais les chiffrer comment? Un expert devrait normalement passer demain pour un état des lieux. La famille de Rohan vivait ici depuis 35 ans. Aujourd'hui, tout est à reconstruire. Et vous pensez que vous allez pouvoir revenir ici? Depuis hier midi, pompiers, personnel de l'association liégeoise du gaz et experts du parquet ont creusé en face de la BBL. Objectif, découvrir l'origine de la fuite de gaz et donc mieux comprendre comment une telle catastrophe a pu se produire. À 16h45 cet après-midi, la conduite percée était enfin mise au jour. Nous sommes à une soudure et peut-être y a-t-il un défaut dans la soudure. On fera des analyses scientifiques pour essayer de savoir exactement ce qui a procuré, donné lieu à une fuite de gaz. Et ça s'est infiltré ensuite dans les égouts et dans la cave, vraisemblablement. Dans les égouts, oui, et dans la cave, avec certitude. Et puis dans l'immeuble. Et l'explosion viendrait de l'intérieur de l'immeuble, alors? À 99 chances sur 100. Provoqué par quoi? Une chaudière ou... L'énergie d'inflammation qu'on aura trouvée à l'intérieur de l'immeuble. Peut-être la flamme d'une chaudière, peut-être un appareil d'éclairage, peut-être un moteur de frigo. Il faudra encore quelques jours avant de comprendre la cause de la rupture. Parmi les hypothèses, le gel ou des travaux menés à cet endroit il y a une quinzaine de jours et qui auraient fragilisé la conduite. Par ailleurs, on connaît maintenant la personne qui, la première, a donné l'alerte et permis de limiter les dégâts. Je suis passé devant la banque BBL, au croisement entre la rue Chainru et la place du Perron. Et là, j'ai entendu un sifflement qui manifestement venait du trottoir. Comme il y avait de la neige, j'ai un petit peu, avec mon pied, dégagé le trottoir. Et j'ai aperçu un petit pertuis de 4-5 mm, duquel manifestement s'échappait une émanation de gaz avec une certaine pression.
Alors j'ai d'emblée été chez les pompiers qui sont voisins de 400-500 mètres pour les informer. Et ils ont immédiatement diligenté et envoyé une camionnette. La soudure s'était brisée sur toute sa surface. Les analyses du parquet pourront prendre entre quelques jours et plusieurs semaines. Une dernière information à ce sujet. La gendarmerie de Verviers nous signale qu'un centre de crise a été établi. Toute personne concernée...